Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui sont dans la salle, à ceux également qui sont en streaming avec nous. Pour cette conférence, comme pour la précédente, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos experts via l'application Slido. Nous y répondrons en direct ou à la fin de la conférence, où vous pourrez également venir poser vos questions à nos experts directement après cette conférence. Alors, nous allons à présent parler d'infrastructures de données et d'entreprises intelligentes avec Mathieu de Fresnel, vice-président division Data Center et Hybrid Cloud chez HPE France, mais aussi avec Sébastien Hurst, directeur technique infrastructure chez SCC France. Cette conférence vous est également proposée par SAP qui, malheureusement, ne peuvent être présents avec nous sur scène aujourd'hui. Et je vous propose, avant de nous retourner vers nos invités, de commencer cette conférence en vidéo. We're living in a digital economy with an exponential increase in data, devices, and commerce models that disrupt every industry. To succeed in this economy, it's more critical than ever that enterprises not only be able to capture all forms of data, but also unlock their value in real time. The goal is to become a data-driven enterprise powered by real-time business and customer insights. Now is the right time to move to SAP HANA. HPE is the partner you can rely on for results. HPE and SAP offer the broadest joint solution portfolio to start your digital transformation. With proven benefits like those found with HPE Converged System, you have the ability to transform your business while allowing IT to focus on innovation and meet business demands that matter. HPE Converged Systems for HANA provide unmatched scalability, high availability, reliability, and fast performance to help meet your requirements in real time, improve ROI, reduce risk, and simplify your IT infrastructure. With memory sizes ranging from 128 gigabytes to 192 terabytes, HPE allows you to adjust to growing data needs. And with time from order to operations in as few as 15 days, HPE Converged Systems for HANA provide you the fastest time to value. Learn more about HPE and SAP Alliance joint solutions and how HPE Converged Systems for SAP HANA can empower your data-driven enterprise. Président division Data Center et Hybrid Cloud chez HPE France et à côté de vous, Sébastien Hurst, bonjour. Enchanté. Vous êtes directeur technique infrastructure chez SCC. Alors messieurs, et on va commencer avec vous Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est qu'une entreprise intelligente ? Alors je pense qu'on est déjà, j'espère pour vous tous, dans une entreprise qui est déjà intelligente. Nous-mêmes, on espère être des gens intelligents. Non, par contre, il y a quelque chose qu'on n'exploite pas encore, ce sont les données. Donc une entreprise intelligente, c'est une entreprise qui va exploiter de manière intelligente les données. Et c'est un des grands enjeux en ce moment et aussi le thème de ce meeting. Et les données, elles viennent plus uniquement du data center, comme encore très souvent aujourd'hui, mais de plus en plus d'éléments extérieurs au data center. Et il y a un chiffre qui circule qui dit que 70% des données de l'entreprise vont venir de l'extérieur de l'entreprise. Et donc, c'est un enjeu de pouvoir les traiter et les analyser. Et alors, elles viennent d'où, du coup ? Comment est-ce qu'on les collecte, ces données ? Alors, on les connecte avec maintenant tous les capteurs, et c'est la fameuse économie autour de l'IoT. Donc, on reçoit les données. On a maintenant des systèmes de networking qui permettent de les collecter. Mais il faut les exploiter. Et c'est cette exploitation qui va les rendre intelligentes et qui va donc enclencher une entreprise plus intelligente. Alors, c'est ce dont on va parler dans un instant, juste avant. Sébastien Hurst, est-ce que vous pouvez également nous donner votre définition de l'entreprise intelligente ? Alors, on va être pas mal en phase. Il n'y a pas tellement de différence entre les deux visions qu'on peut avoir sur ce sujet et sur cette définition. Alors, notamment pour SAP, une entreprise intelligente, bien que le terme soit particulièrement moche pour les autres, c'est une entreprise qui utilise ses data pour alimenter ses propres processus, soit de re-engineering de processus, soit pour de l'innovation. Alors, une définition un peu plus raisonnable, c'est de dire que ce sont des entreprises qui ont pris conscience d'un capital de data dont elles disposent et qu'elles commencent à utiliser de leur côté pour deux choses en particulier. D'abord, la première, c'est pour pouvoir améliorer le pilotage de l'entreprise. La deuxième, c'est pour améliorer les tâches qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise et donc mieux travailler au quotidien. Je trouve intéressant de coupler ça sur une démarche que moi j'appelle de transformation continue, parce que toutes ces évolutions, toute cette digitalisation, tout ce qu'on va vouloir faire changer au sein de l'entreprise a du sens à partir du moment où on l'inscrit dans une évolution constante qui va aller petit à petit et qui va être alimentée par toutes ces datas. On le voit en particulier avec les processus d'IoT, comme on le disait tout à l'heure,
qui vont permettre, à travers un certain nombre de capteurs, de récupérer des informations et d'améliorer des choses, notamment sur de la production. Et donc, pas seulement de la data à destination de la direction générale, des choses qui peuvent concrètement servir dans tous les endroits de l'entreprise. Mathieu de Fresnel, si on compare une entreprise intelligente à une entreprise dite traditionnelle, c'est quoi les grandes différences aujourd'hui ? Les grandes différences, c'est que cette entreprise intelligente, donc qui sait utiliser ses données, va en théorie pouvoir améliorer, son offre produit. L'expérience utilisateur, trouver des nouveaux marchés, une nouvelle façon d'interagir avec ses clients. Nous, on a un bon exemple de ça. Alors, c'est indépendant de c'est pas dans un environnement SAP, mais on a lancé un produit qui s'appelle InfoSight, qui est un produit qui collecte les environnements et les grands paramètres des infrastructures qui sont chez nos clients. Alors, c'est pas les données clients, c'est les données liées à tous les capteurs qu'il y a dans un système informatique, mm-hmm. qui les consolide et qui nous permet d'analyser et de comprendre ce qui se passe. Ça a comme conséquence une meilleure satisfaction utilisateur par une plus grande disponibilité de ces environnements, une capacité à, par exemple, produire des patchs ou des firmwares sans attendre qu'il y ait trop de clients qui se plaignent, une capacité à analyser les meilleurs usages qui sont faits de nos machines et de les diffuser auprès de nos clients. On a constaté une amélioration du taux de disponibilité de manière très significative. Sébastien Hurt, même question du coup par rapport à une entreprise traditionnelle. Que peut faire une entreprise intelligente en plus ? Alors, la grande différence entre les deux, c'est qu'effectivement, une entreprise traditionnelle va se couper d'un certain nombre de moyens qui va lui permettre d'assurer sa transformation et de faire de l'innovation. Il est clair que ce sont des choses qui sont quand même complexes à mettre en œuvre. Il y a également un frein au changement, comme on peut rencontrer dans toutes les entreprises. Et comme dans toutes les entreprises, plus on monte haut dans les strates de l'entreprise, plus le changement devient inquiétant. Comme ce sont des choses qui peuvent aller très haut jusqu'à la direction générale, on sent chez beaucoup d'entreprises une certaine crainte à aller vers ce type de changement qui peuvent bouleverser beaucoup de choses au sein de l'entreprise. Donc le grand manque et le grand apport qu'il peut y avoir avec l'utilisation des data et le passage en entreprise dite intelligente, c'est effectivement ce sont des outils additionnels qui vont permettre d'asseoir la capacité à faire de l'innovation. Et pas seulement, encore une fois, pour le pilotage de l'entreprise, mais aussi plus concrètement sur des choses entre guillemets de tous les jours dans l'entreprise. Donc on sort du processus classique en fait de pilotage de l'entreprise avec les données et on va vers d'autres offres ou d'autres services. Oui, tout à fait. Enfin, je t'en prie. Oui, on va développer des nouveaux services, probablement des nouveaux business. Et puis un élément qui est particulièrement important, en particulier dans le cas de SAP, c'est que tout ça peut être fait maintenant en temps réel. Donc il y a une réactivité qu'on n'avait pas avant. Des études de marché ou des développements de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités, ça prenait des mois, c'était des traitements batch, on analysait les choses très manuellement. Là, on essaie de passer dans un mode en temps réel. Donc on passe de plusieurs mois à du temps réel, à quelques minutes, voire même quelques secondes. Absolument, absolument. De manière très, très, très classique, hein, on a des batchs de fin de mois qui sont passés, qui permettent d'avoir un certain nombre de rapports, en particulier à destination des directions, quelles qu'elles soient dans l'entreprise. Et une des tâches de ces nouveaux environnements, c'est la capacité de pouvoir avoir ces rapports, non pas tous les mois, mais de manière beaucoup, beaucoup plus fréquente, soit pour pouvoir s'adapter plus rapidement, donc pour améliorer l'agilité, soit pour pouvoir avoir de nouvelles idées, c'est l'innovation, soit pour pouvoir piloter de manière plus efficace, de manière générale. Et alors, si on parle technologie maintenant, sur quelle technologie doit reposer une entreprise intelligente ? Sébastien, peut-être. Alors, la première brique dont on a besoin, ce sont ces fameuses data. Donc, tout le monde a des données. Malheureusement, hein, c'est comme tout. Hein, si vous avez un clou, sans marteau, vous n'allez pas aller bien loin. Donc, non seulement on a besoin des data, mais on a besoin d'un certain nombre d'outils qui vont encadrer ces data pour arriver à en faire quelque chose. On a donc besoin d'outils qui permettent de traiter ces données, de les purifier, d'en faire des traitements, de les stocker et de les visualiser. Et donc, vous parlez d'outils, on parlait de SAP tout à l'heure. Donc, parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle SAP HANA, justement. Yes ! Donc, effectivement, on est pile poil dans le sujet. SAP HANA est effectivement la réponse des SAP à ce type d'environnement, puisqu'il propose une plateforme complète et intégrée de gestion de la donnée qui ne se cantonne pas seulement à la base de données relationnelle, mais qui va couvrir tout le spectre des datas de l'entreprise avec un focus tout particulier sur l'approche temps réel. C'est justement le temps réel dont vous nous parliez tout à l'heure, Mathieu de Fresnel. Quel est l'intérêt de disposer d'une base de données en temps réel par rapport aux quelques mois dont vous nous parliez tout à l'heure ? Je pense que très clairement, il y a des impacts en termes de réactivité et de qualité qui sont tout à fait spectaculaires. Chez HPE, on utilise bien sûr SAP, hein, c'est un de nos gros outils informatiques, très structurant pour la société. Et moi-même, donc, qui suis responsable de la division produit,
mon souci, c'est de livrer rapidement les clients. Et on utilise SAP et on est en train de passer en HANA et on cherche à pouvoir, au moment où on saisit une commande, avoir en temps réel les dates de livraison. Aujourd'hui, ça prend 2 jours. C'est-à-dire que cette commande, pour rentrer dans le processus de fabrication, pour pouvoir prendre en compte la disponibilité des différents composants chez nos sous-traitants et X autres contraintes de shortage éventuelles, il nous faut 2 jours. Et au bout de 2 jours seulement, on peut commencer à travailler sur la commande si elle est importante. Avec une base de données en temps réel, et on est en train d'y passer, la réponse, elle est censée être instantanée. Donc plus d'efficacité vis-à-vis et donc de beaucoup clients. Plus d'efficacité, plus de satisfaction client, moins de travail chez nous parce que tout ça va être fait en temps réel. Donc un gain global pour tout le monde, nous et nos clients. Que ce soit en interne ou effectivement vis-à-vis des clients. Sébastien Hurst, est-ce que vous avez en tête d'autres besoins auxquels peut répondre SAPANA aujourd'hui? En fait, SAPANA, tout l'intérêt de SAPANA, il y a un vrai besoin historique autour de la capacité à répondre rapidement à des besoins complexes qu'on ne pouvait pas traiter à l'origine. À savoir, quand même, si on fait un petit peu l'histoire, j'aime bien faire un peu d'histoire des technologies. Déjà, fin des années 90, SAP commence à réfléchir et il se rend compte qu'il y a un certain nombre de contextes sur lesquels on va avoir besoin de technologies temps réel. Alors, à l'époque, ça n'existe pas vraiment. Il y a tout un programme qui est mis en route chez eux, qui commence en 2005, notamment, et à partir duquel SAP travaille sur la capacité d'avoir une base de données qui fonctionne en temps réel. À l'époque, et c'est toujours le cas actuellement, une des grandes problématiques qu'on traitait avec SAP, avec un module qui s'appelle APO, c'est la capacité de faire du management de production. Vous avez d'une part des capacités de production, vous avez des matières premières en quantité, donc vous avez des quantités de matériel qui va pouvoir être transformé, et vous avez un cahier des charges de production avec un agenda pour que vos clients puissent être satisfaits et qui ont déjà passé les commandes. D'accord. Le mappage entre ces trois ressources est extrêmement complexe, demande des programmations très très difficiles et qui ne marchent pas du tout avec une base de données classique telle qu'on en avait avec une base de données relationnelle standard. Déjà à l'époque, SAP travaille sur une technologie qui à l'époque s'appelait Live Cache, qui permettait déjà de faire cette approche temps réel. Alors elle était à l'époque un peu balbutiante, mais on va dire que c'était la V0 de SAP Anet telle qu'on le connaît maintenant. Donc ces nouvelles technologies vont permettre de faire un certain nombre de choses. Hein. On l'a dit tout à l'heure, la capacité à répondre de manière beaucoup plus rapide aux sollicitations qu'on peut avoir et aux demandes de rapports. Bien sûr. Il va pouvoir travailler sur des sujets qui étaient très difficiles à aborder avec de l'infrastructure classique et de la base de données classique, qui était l'expérience utilisateur. Je pense que tout le monde est d'accord que maintenant, par rapport à il y a 20 ans, si on attend 5 secondes devant un écran, on devient dingue. Donc, de toute façon, il y a besoin de travailler sur la capacité à renvoyer rapidement de l'information, de traiter rapidement cette information et de la visualiser rapidement. Mathieu de Fresnel, on parle d'envoyer rapidement cette information et de la traiter rapidement. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple des clients, mais en fait, ça fonctionne aussi pour des fournisseurs, pour des sous-traitants, pour tout ce qu'on veut pouvoir piloter avec de la donnée. Oui, enfin, toute cette chaîne de production, elle est intégrée. Souvent, SAP est un des outils de référence chez tout le monde. Et donc, on commence à pouvoir partager de plus en plus de données. Et avec ce repository générique pour tout le monde qui va être SAP HANA, on peut vraiment améliorer la qualité et l'intégration de ces informations. SAP, d'ailleurs, est très souvent couplé à plein d'autres applications dans l'entreprise, en externe ou en interne. Hein, donc, c'est un écosystème très large qu'on commence à pouvoir organiser. Alors, si je fais le lien avec l'entreprise intelligente dont on parlait tout à l'heure, vous m'avez dit que toutes les entreprises étaient intelligentes aujourd'hui, ou en tout cas, c'est ce que j'ai cru pour elles. Oui, je te souhaite pour elles. C'est ça. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans les entreprises qu'on connaît, qu'on a chacun des noms en tête, sont des entreprises intelligentes, ou en tout cas, ont intégré cette notion de traiter la donnée. Non, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que une entreprise ne devient pas intelligente juste par ça. Hein, donc, si les entreprises qui réussissent très, très moche. Sont déjà globalement intelligentes, par contre, elles peuvent progresser nettement. Et utiliser leurs données. Toutes les entreprises ont des données aujourd'hui. Très peu les utilisent à bon escient et très peu arrivent à... La matière, mais il faut encore faut-il l'utiliser derrière. Il faut exploiter cette matière. Et alors justement, exploiter cette matière, ça veut devenir une entreprise intelligente ou même si le terme effectivement est peut-être un petit peu galvaudé. En tout cas, on met en place un projet SAPANA. Sébastien Hurst, qu'est-ce que ça veut dire de mettre en place ce projet maintenant qu'on sait quels vont être les gains par la suite? Alors, un projet SAPANA, on va le mettre en place pour plusieurs choses. D'abord, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de pouvoir traiter et d'utiliser réellement ces datas. Alors on va partir sur du SAPANA. Pourquoi? En grande raison, parce que SAPANA dépasse de loin le cadre d'une base de données classique, puisque non seulement on va parler d'un moteur de base de données, d'ailleurs de plusieurs moteurs,
mais on va également avoir à coupler à ça la capacité de pouvoir traiter en amont ces données, donc toute la partie purification, qualité des données, etc., en amont. Comme j'ai dit tout à l'heure, le stockage, le traitement, la visualisation des datas. La vraie, pas difficulté, mais enfin, les vraies choses à garder en tête lorsqu'on va parler d'une transformation vers du SAP ou du SAP HANA, ça va être, pour les clients qui ont déjà du SAP, une migration. Cette migration étant souvent, il y a des tonnes de chemins différents pour assurer cette migration. Et selon les besoins, les acquis du client, il va falloir trouver le bon chemin pour pouvoir passer du point A au point B. C'est d'autant plus important qu'on a encore près de la moitié des migrations qui se passent mal et sur lesquelles on se trouve en situation d'échec ou de grands dérapages sur les projets. Mais on va avoir besoin d'être accompagné d'une part par des partenaires fonctionnels qui vont s'intéresser à la partie métier et fonctionnelle de l'environnement SAP et par des partenaires technologiques qui soient à la base soit constructeurs-éditeurs, soit intégrateurs pour pouvoir intégrer également ces parties basse-couche. Et alors justement, Mathieu de Fresnel, vous êtes en train de mettre en place un projet SAP HANA. Donc vous pouvez nous faire un retour d'expérience justement sur comment ça se passe quand on met en place un projet SAP HANA. Alors moi, je le vis dans la peau de l'utilisateur. Hein. Un vrai retour d'expérience. C'est ça, exactement. Profitons-en tous. Non, d'abord, je voudrais signaler plusieurs choses. Donc effectivement, un projet vers SAP HANA, ce projet de migration, il y a la promesse de la base de données temps réel, mais pas que ça. Il y a aussi d'autres éléments qui sont importants dans ces projets et qui motivent nos clients. Le premier, c'est la consolidation de différentes instances SAP. La plupart des sociétés, et nous HPE les premiers, au fil du temps, au fil des rachats, au fil de nos organisations, on a développé plusieurs instances SAP compliquées à maintenir et à gérer de manière simultanée. Et donc, ce projet est aussi l'occasion d'avoir un seul environnement SAP et doit être beaucoup plus efficace. Et puis il y a un deuxième projet, il y a une deuxième raison qui fait quelquefois un peu plus polémique, mais qu'on voit très souvent chez nos clients, c'est la volonté de se débarrasser de la base de données Oracle et du racket subi par certains de nos clients sur les licences Oracle. Et donc le mouvement vers SAP HANA, qui est finalement une base de données alternative, intégrer tout ça dans un pricing homogène, et aussi une deuxième raison pour cette migration. Alors après, en tant qu'utilisateur, c'est des projets de longue haleine. Hein. On conseille... Il ne faut pas se mentir. Hein. Ouais, non, c'est des projets qui sont assez longs. On va dire que pour un projet simple, c'est quelques mois, 4 mois, 5 mois. Pour un processus qui est plutôt maîtrisé, pour un projet complexe, c'est plutôt 18 mois. D'accord. Hein. Et donc là, en tant qu'utilisateur, ce qui est compliqué, c'est qu'on vous fait une promesse et les outils commencent à évoluer. Mais en fait, vous percevez vraiment les avantages de cette solution que très longtemps après. Donc, il y a toute une phase d'accompagnement qui est très longue, une phase de training. Sur une boîte internationale, imaginez le nombre de personnes impactées. Et donc, il est important de se faire accompagner par des intégrateurs souvent fonctionnels pour pouvoir cadrer le projet et qu'il puisse aller au bout. Et alors, justement, quand on se décide de se lancer comme ça dans la mise en place d'un projet SAP HANA, quelles sont les choses auxquelles on doit penser en priorité ? Sébastien, peut-être ? Alors pour moi, la chose vraiment primordiale, c'est le couple avec lequel on va danser. Le couple avec lequel on va danser doit, pour moi, obligatoirement faire partie d'un intégrateur fonctionnel et d'un intégrateur technique. On a souvent eu ces dernières années un peu tendance à laisser de côté les aspects techniques, puisqu'on entend tout le temps parler d'informatique déjà prédigérée, tous les serveurs x86 se ressemblent, tout est tout pareil dans le meilleur des mondes. On se rend bien compte que lorsqu'on doit mettre en œuvre ce type de plateforme, rien n'est aussi simple que ce qu'on a pu imaginer. Comme dans n'importe quel projet, de toute façon. Exactement. Et il y a un vrai travail à faire côté industrialisation sur la partie technique. Donc, c'est pas pour la mettre en avant, pas la mettre trop en avant, mais le couple est vraiment important. Le fonctionnel, ça paraît assez évident pour tout le monde. La technique en fait partie également. Donc le couple est vraiment très important avec un vrai bon couple d'intégrateurs, techniques et fonctionnels, surtout qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment la première chose à regarder. Alors, les choses à regarder, quand on est la société qui réfléchit à cette transformation, il y a trois grandes choses, je dirais. La première, c'est de regarder, est-ce qu'il y a une stratégie groupe ? Et donc, est-ce que du côté groupe, il y a des choses qui se dégagent pour savoir si on y va et comment on va y aller ? La deuxième chose, ça va être quel est l'état des lieux actuel à l'intérieur de l'IT ? Et donc, savoir, typiquement, est-ce qu'on va repartir de zéro côté data ou est-ce qu'on va avoir capacité à faire une migration de tout ou partie des données existantes ? Et puis le troisième point, ça va faire un état des lieux de l'IT en tant que tel, de côté infrastructure, pour savoir aussi d'où on est et où on va aller,
sachant qu'on a, beaucoup plus de choix que ce dont on avait, ce au quoi on avait accès il y a encore quelques années. Et puis j'imagine qu'il y a un certain nombre de craintes vis-à-vis des gens qu'on accompagne quand on, de toute façon, qui sont inhérentes à n'importe quel projet. Je pense notamment à la sécurité des données ou ce genre de choses. C'est quelque chose qu'il faut regarder, c'est quelque chose sur lequel il faut rassurer également. Alors pareil, oui, côté intégrateur, on va, comme je le disais, il est important d'être accompagné à la fois par l'intégrateur fonctionnel et un technique. L'intégrateur technique, comment il va fonctionner de manière générale sur un dossier de cette nature, il va associer un architecte qui va suivre toute la partie technique de l'évolution et des choses à prendre en compte. Et on voit, nous, trois grands chantiers qui sont systématiquement à prendre en compte. La sécu, qui est un sujet global pour tout le monde, et qui est heureusement, entre guillemets, un peu simplifié puisqu'on parle d'une suite intégrée. La deuxième, qui est les télécoms. On a besoin de savoir quelles vont être les connectiques qu'on a entre les utilisateurs, les data, les sites de production au sens informatique du terme. Et puis enfin, on va dire la géolocalisation des workloads, c'est pas très joliment dit, mais c'est de savoir si on va le faire on-premise chez soi, mm-hmm. si on va le faire dans un cloud privé managé, si on va le faire dans un cloud public, et comment on va créer la sauce qui va bien aller entre ces différentes composantes. Et justement, Mathieu de Fresnel, en matière d'infrastructure maintenant, est-ce qu'il y a des prérequis pour mettre en place un tel projet ? Bah, évidemment, c'est l'occasion de démarrer sur des infrastructures neuves, mais on va dire que le point qui préoccupe le plus nos clients, c'est la disponibilité et la haute disponibilité. Hein. SAP, c'est un processus clé dans l'entreprise, ça génère souvent les états financiers en fin de mois. Et donc, il faut que ça soit disponible. Donc, c'est peut-être le premier critère. Ce qui devient d'autant plus critique, puisqu'on va introduire une qualité temps réel. Ce qui fait que non seulement avant, c'était critique à la fin du mois quand il y avait le batch, mais là, maintenant, ça va vraiment être critique tout le temps. Absolument. Donc, la première chose, c'est comment vous m'assurez que votre infrastructure, elle est hautement disponible. Et la deuxième, bien sûr, c'est l'occasion de mettre en place des infrastructures beaucoup plus modernes qui cassent les silos du compute d'un côté, du stockage de l'autre, le network de l'autre. Hein, et qui permettent d'avoir des solutions soit hyper convergées, soit composables, avec de plus en plus un besoin d'infrastructures in-memory, donc des infrastructures capables d'héberger de grosses quantités de mémoire. Et on a maintenant des solutions qui peuvent monter jusqu'à 48 terabytes de mémoire. Donc, il y a de la place. Donc, si je comprends bien, pour mettre en place un tel projet, en fait, l'entreprise doit repenser ses infrastructures IT, ou en tout cas une partie, avant d'aller plus loin. En fait, ça dépend évidemment de chaque entreprise, mais alors c'est vrai, et alors d'autant plus que dans nos métiers, l'évolution de l'infrastructure se fait rarement en mode Big Bang. On a plutôt tendance à avoir une approche d'évolution continue dans la mesure du possible pour pouvoir mettre en œuvre au fur et à mesure les différents changements au sein de l'entreprise. Donc cette évolution, on l'a de manière générale depuis des années. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, rapport au cloud en particulier, mais on a des tas de nouvelles briques qui nous sont mises à disposition à nous les architectes pour pouvoir travailler sur l'évolution des systèmes d'information de manière générale. Et c'est à nous d'introduire ça de la façon la plus souple possible pour ne pas trop stresser les équipes, notamment de management et de opérationnel chez les clients, afin que notamment on obtienne une autre chose importante dans les entreprises, qui est la réduction de la complexité de l'infrastructure dans les entreprises. Oui, il n'y a pas forcément de devoir repenser les infrastructures, mais il y a un chantier, quelle est la bonne infrastructure qui sera hautement disponible et évolutive pour accompagner ce mouvement vers le temps réel. Et alors, il y a également une autre chose dont vous venez d'en parler, c'est le cloud, lorsqu'on met en place ce genre de projet. Et justement, sur le cloud, il y a deux stratégies en fait, de gestion de données. Il y a on-premise qu'on oppose généralement à l'utilisation d'un cloud dit public. En plus, justement, j'étais en train de dire d'un côté et de l'autre pour les opposer, alors que justement, ça n'est pas forcément le cas, Mathieu de Fresnel. Alors, oui, donc ça, c'est le grand débat actuellement, indépendamment des SAP. Où est-ce que je vais mettre mes applications. Le mouvement qui semblait inéluctable vers le cloud public, en fait, ne se matérialise pas. Au contraire, on voit maintenant un retour vers des environnements, soit de cloud privé, soit maintenant plus cloud du tout, on-premise. Bien sûr. Donc là, juste, j'ai pris un pense-bête pour ne pas me gourer, parce que j'ai récupéré une étude qu'on a fait tourner récemment. Donc, et je vais être sûr de citer les bons chiffres, parce que c'est source de débat. Donc, on a tourné une étude sur 1350 clients européens et on leur a demandé où est-ce que vous allez mettre vos infrastructures et vos applications en premier lieu. Et donc, on a quatre types de clients. On a classé ça en quatre types plutôt. Le premier, c'est ce qu'on appelle cloud first. C'est-à-dire que je vais dans le cloud public, quelle que soit la question. Hein. Cette part de clients, elle est passée par rapport à l'année dernière de 28% à 25%. Donc, on voit une légère baisse, mais on voit quand même une baisse qui est un phénomène qu'on n'avait pas vu avant. Ensuite, il y a des clients qui disent cloud also.
je vais essayer d'aller dans le cloud autant que je peux. Cette proportion de clients, elle a encore plus baissé puisqu'elle est passée de 40% à 31%. D'accord. Donc, j'ai besoin de mon pense-bête parce solution, que faut finalement, être précis. Ils la favorisent peut-être. Voilà. Et finalement, troisième type de client, cloud last. C'est-à-dire que je n'irai dans le cloud que si je n'ai pas d'autre choix. D'accord. Que s'il y a une bonne raison et que je ne sais pas faire mieux autrement. Ça, cette proportion, elle est en augmentation de 10 à 19%. D'accord. OK. Et puis, le phénomène le plus important et qui prouve la maturité maintenant des environnements de nos clients vis-à-vis du cloud, c'est ce qu'on appelle, le best fit. C'est où est-ce que sera le mieux mon D'accord. infrastructure et mon application. Et là, c'est passé de 9 à 23%. D'accord. Donc, en fait, les clients qui vont n'aller dans le cloud que s'il n'y a pas d'autre alternative a baissé de 23% par rapport à l'année dernière. Donc, on voit une maturité importante. Je crois que c'est effectivement le terme qu'il faut retenir. On constate avec cette étude qu'il y a une vraie courbe de maturité qui a été atteinte côté client. Et là où on était dans des choses assez dogmatiques, je vais aller dans le cloud c'est mieux, c'est cloud avant tout, on-prem c'est pour les vieux, c'est tout ça, c'est terminé. Et on arrive plutôt à une approche qui est de dire le cloud est un autre moyen, une autre brique qu'on amène au SI. Utilisons-le de manière efficace, évitons comme d'habitude d'y aller de manière dogmatique. Mais par contre, utilisons-le maintenant au mieux. Je trouve que c'est très très rassurant pour les sociétés en France. Voilà. Et dans le cas d'SAP spécifiquement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur les phases de test, là effectivement, utiliser des infrastructures dans le cloud public, ça a du sens parce que c'est facile à mettre en œuvre, c'est rapide et puis finalement, vous êtes en train de faire des essais, c'est peu engageant. Par contre, dès qu'on parle de projets matures avec des infrastructures de pré-prod ou de production, là, on voit un mouvement on-premise, alors qui peut être sous forme de cloud privé ou sous forme de système managé on-premise. Et la raison, c'est que SAP, finalement, est un environnement critique, je l'ai dit, avec des données d'entreprise que vous voulez maîtriser. Vous avez aussi, finalement, un besoin applicatif qui n'est pas si élastique, qui n'est pas si fluctuant. Finalement, la souplesse que vous pourriez imaginer dans le cloud, elle ne se matérialise pas systématiquement. Et la troisième chose, c'est que SAP est souvent intégré avec beaucoup d'applications. Et gérer ces connexions entre applications dans le cloud public, c'est compliqué. C'est difficile à faire et potentiellement, ça peut coûter très cher dès que vous commencez à déplacer des données. Donc, toutes ces raisons font qu'on voit des environnements on-premise plutôt, hébergés ou pas, managés ou pas, et non pas tellement dans le cloud public. Sébastien, tu... On en revient à la courbe de maturité. Hein. Lorsque vous êtes une petite entreprise qui croit et qui nécessite du coup la mise en œuvre d'un environnement SAP, mais qui n'a pas suffisamment d'expérience dans le monde de l'informatique, il paraît raisonnable de dire qu'on va faire soit une expérimentation, soit de la mise en production dans du cloud public ou du cloud privé managé. La différence des deux se faisant surtout sur des questions de niveau de service, d'engagement, de haute disponibilité, on en parlait tout à l'heure. Donc toutes les choses, selon le curseur qu'on va avoir à fixer, on va choisir plutôt un cloud privé managé ou un cloud public. Ces premières approches vont avoir du sens soit pour faire du test, soit pour des clients qui n'ont pas d'expérience IT. Après, il est vrai que plus on voit les entreprises devenir matures et avoir des ressources internes qui ont capacité à gérer efficacement de l'informatique de data center, plus des projets SAP, on va avoir tendance à les voir revenir on-premise parce que c'est là où on va avoir le plus grand contrôle de ce qui se passe dans l'environnement SAP. On en parlait un petit peu tout à l'heure, hein, mais il y a quand même aussi beaucoup de questions autour de la gouvernance des data. L'environnement SAP, SAP HANA en particulier, permet de mettre en place un certain nombre de systèmes sur la gouvernance des données de l'entreprise, mais de façon globale. Donc pas seulement sur de la base de données classique en tableau, telle qu'on avait sur la base de données relationnelle, mais aussi sur de la donnée qui proviendrait du Big Data, puisqu'on est capable avec Vora de faire une liaison avec Hadoop pour récupérer et pour pouvoir manager l'ensemble de ces données. Pouvoir maintenant avec, je ne me rappelle plus du nom de leur solution, Data Ingest, leur capacité également d'aller taper des données nativement en dehors de l'environnement relationnel et Big Data pour aller taper des données qui proviendraient notamment des réseaux sociaux. Donc on a avec SAP HANA la capacité de mettre en œuvre un système de gouvernance des data. Or, c'est probablement le nouveau sujet qui va atterrir chez les clients, ne serait-ce qu'avec des choses horribles comme la GDPR ou des choses comme ça. Horribles non pas pour les utilisateurs, mais pour les gens de l'IT comme nous. Bien sûr, parce que ce sont des sujets qui sont très complexes. Oui. Donc on va dire, c'est un petit peu le billard à deux bandes. Non seulement vous mettez en place, le SAP HANA résout un certain nombre de questions, mais diverses. La base de données temps réel, la gouvernance des data de manière générale, et puis la capacité peut-être à plus s'approprier la façon dont elles sont utilisées pour pouvoir garantir un certain nombre de chartes, je pense notamment à GDPR. Et alors sur le choix du coup, GDPR en français, ou cloud, en fait, ce que vous nous dites, c'est que la variable d'ajustement, c'est la taille de l'entreprise. Alors la taille de l'entreprise et les niveaux de service, puisque lorsque vous allez dans le cloud public,
les niveaux de service sont notoirement assez bas. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas à grand-chose. Lorsque vous êtes sur le cloud privé managé, donc des offres faites par des partenaires spécialisés là-dedans, nous, par exemple, on va apporter un certain nombre de niveaux de service. Par exemple, on va apporter un certain nombre de niveaux de service. Et puis, mais après, ça correspond ou pas aux besoins des clients, ça s'interconnecte ou pas avec le client, il a envie de le faire ou pas, le client a ses compétences ou pas. Et dernier point, avec tous ces arguments, on décide de le faire également, si nécessaire, on-premise. Et il n'y a pas de jugement de valeur sur le choix d'une des trois fonctionnalités. Il est par contre de plus en plus convaincant qu'on va utiliser un peu des trois, ne serait-ce que par les capacités de gouvernance du système qui permettent d'aller attaquer les données qui sont dans les endroits divers. Mathieu Defressin, je vois que vous vouliez réagir. Oui, en termes de proportion, autant sur les phases de dev, enfin de test, là, on voit pas mal de clients utiliser des environnements cloud publics. Sur le reste, on a une vingtaine de projets en ce moment. Il n'y en a pas un seul qui va utiliser le cloud public pour les phases de pré-prod et de production. Donc oui, pour des petits clients, dans des environnements simples, ce que je vois, moi, c'est que très rapidement, enfin la majorité des cas, c'est quand même des environnements maîtrisés, on-premise ou chez un partenaire, mais des bien environnements sûr. Dédiés. Je te rejoins complètement pour les questions de SLA. Eh bien, messieurs, si vous êtes d'accord, on va pouvoir passer à la conclusion de cette conférence où vous êtes sur le kick-off SCC Limitless, c'est marqué derrière vous un petit peu partout. Comment les entreprises vont pouvoir demain, selon vous, repousser les limites? Une question suffisamment large pour conclure cette conférence. Tu commences, je commence. Alors, on va en tant que constructeur. C'est toi le plus bavard. Non, je crois que c'est pas le cas. En tant que constructeur, nous, notre boulot, c'est d'offrir des infrastructures justement qui vont libérer toutes ces limites. Et c'est les infrastructures in-memory. Enfin, si on se projette sur l'évolution, en particulier des SAP et des environnements temps réel. Donc voilà, c'est des infrastructures où on va changer le concept. Ça ne va plus être des serveurs qui vont être processeurs centriques, mais qui vont être memory-centriques, c'est-à-dire qui vont être construits autour d'eux. Mais c'est le design même des serveurs qui va changer. Construits autour de la donnée et sur lequel on va pouvoir attaquer en parallèle à travers X processeurs pour vraiment changer la façon de traiter de gros volumes de données et du temps réel. Voilà. Donc là, on fait pas mal de conférences sur ce domaine. Il y a des nouveaux standards qui s'appellent Gen Z qui est en train d'évoluer dans ce domaine. On a aussi des protos qui commencent à tourner. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va supprimer les limites liées à la technologie, puisque c'est notre sujet, la technologie. Donc on les repousse plus, on les supprime carrément, ouais, les limites. Bon, il y en aura toujours, on en trouvera d'autres. Sébastien Hurst également. Oui, bah écoutez, c'est exactement ce que vient de dire Mathieu. Hein. La limitless, c'est plutôt côté utilisateur. Nous, on va être là pour amener des nouveaux moyens, des nouvelles capacités. Mais comme d'habitude, à chaque fois qu'on amène des nouvelles idées, des nouveaux moyens, les utilisateurs ont toujours des tas de nouvelles idées qui nous polluent et qui nous obligent à encore repenser notre façon de faire et nous obligent à faire de l'innovation. Donc, quelque part, ça nous embête. D'un autre côté, on en est très content. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour aider nos clients? La première des choses, c'est qu'on se repose sur les partenaires technologiques compétents et qui ont une vraie vision. Effectivement, c'est le cas, on le parlait il y a deux minutes avec HPE sur la partie Gen Z. HPE est un de nos partenaires de choix sur ce type d'environnement parce qu'ils amènent une vision très, très intense, hein, très, très moyen terme, long terme sur les évolutions de ces différents systèmes et amènent une vraie valeur ajoutée sur la façon dont les systèmes vont être amenés à évoluer pour s'adapter à ces nouvelles façons de travailler qui demandent des performances très, très importantes, histoire d'obtenir une rapidité de décision et un ressenti utilisateur qui soit le meilleur possible. Charge à nous également de notre côté, humbles intégrateurs. Nous sommes, nous, dans une démarche d'évolution continue, où nous remettons en cause régulièrement nos compétences, histoire de voir quelle est la direction du marché, de quoi nos clients ont besoin, comment faire pour répondre le plus efficacement possible à leurs nouveaux challenges, et nous d'intégrer cela dans un processus itératif d'amélioration de nos compétences et de nos capacités à aider nos clients. Donc limitless côté technologique, limitless côté service, peut-être un peu plus compliqué, je dirais, mais on va essayer de le faire quand même. Et côté utilisateur. Mais en côté utilisateur, puisque c'est eux qui vont driver des nouvelles idées, des nouvelles façons de travailler. On s'inscrit également sur cette démarche d'aide pour les clients aux façons de réfléchir, puisque comme nous sommes, nous, de notre côté, vraiment obligés
de sans cesse repenser notre façon d'accompagner nos clients. De temps en temps, les clients se disent « Ah ouais, ça a l'air génial, mais comment on va pouvoir le faire ?» Charge à nous d'aider, de montrer aussi aux clients comment nous, on voit les choses et comment les aider éventuellement sur un petit peu de cas concrets, de cas d'usage qu'on pourrait les aider à mettre en place pour un premier essai dans le cloud, pourquoi pas. Et ensuite, éventuellement, une fois qu'on le passe en production, une belle mise en œuvre en on-premise avec les technologies de mon partenaire HPE préféré. Merci beaucoup Sébastien Hurst, merci beaucoup Mathieu de Fresnel, merci à vous merci de à nous tous. Avoir suivis. Nous avons la chance d'être dans une salle qui n'est pas très grande, du coup je vous invite, si vous avez des questions, à venir nous les poser directement. Nous serons ravis d'y répondre. Merci à tous. Merci à tous.